Bonjour à tous, on est jeudi 6 août et cet après-midi je suis à Action de Thiers. Je suis contente parce que je tombe sur une nouveauté, cette horloge avec diamant qui fait 30 cm et demi de diamètre. Et en fait, il y en a une deuxième, mais celle-ci je l'avais vue hier et je vous l'avais montrée. Il y a celle-ci. Tiens, dites-moi, vous préférez celle-ci ou celle-ci ? La première ou la deuxième ? Elle est à 4,99€. Enfin, elles sont à 4,99€. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux motifs dans les plaids. Et 1,50 m sur 200, il y a celui-là. Qui sont à 6,95€. Il y a du bleu. Du marron, du gris. Il y a celui-là. Celui-là. Celui-là, avec les petites fleurs. Alors il y a celui-là. Alors celui-là, il existe en gris, parce que moi je l'ai acheté à l'époque en gris avec les roses. Donc là, c'est un gris plus clair. Moi, je trouve celui-là assez joli. Donc après, bien sûr, il faut avoir la déco qui va avec, mais je trouve qu'il est très joli, celui-là, ce bleu. Il y a celui-là. Il y a celui-là, mais celui-là, justement, il me semble que c'est un ancien. Enfin, moi, j'aime bien le bleu et celui-là aussi. Et regardez ce que je trouve. Un nouveau miroir. Enfin, un nouveau miroir. Ils étaient là quand même il y a quelques mois, il me semble, ceux-là. Ils sont comme ça. Ils font 40 par 50. Je les trouve très jolis aussi. Ils sont à 6,49€. Au cas où vous n'auriez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, dans les nouveautés miroirs, il y a celui-là aussi, avec un cadre en bois blanc, à 4,99€. Donc en fait, c'est le même style que les bancs. Vous savez, ces fameux bancs-là, pour mettre les chaussures. Ils font 38 cm par 56 cm. Et 1,8 de profondeur. Ils sont à 4,99€, ceux-là. On a ces figurines argentées. Alors, elles ont... un grand succès, ces figurines. Donc il y en a trois. Il y a celui-là, enfin celle-là, forme de cœur, et celle-là. Alors je découvre un plateau avec deux étages. Patiné noir, comme ça, doré. Alors je sais que ces plateaux, ils ont un grand succès. Celui-là est nouveau, j'avais jamais vu ce style-là. Donc je sais qu'ils en ont eu un moment des plus petits. Regardez au niveau du pied comment il est. Donc celui-là est à 18,95€. Donc ce plateau fait 34 cm et celui-là 47. Le retour de ces chandeliers en aluminium. Ceux-là aussi, je sais qu'ils ont pas mal de succès. Ils sont à 2,44€. Après, il y a les petits. Ceux-là, je vous les ai montrés dans ma vidéo de ce matin. Mais bon, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de ce matin, ceux-là sont à 99 centimes. Donc, il y a argenté et doré. On a le retour de ces mugs à café imprimés floral à 69 centimes. Donc, il y a du noir. Il y a du bleu. Et du bleu clair et du vert. Et c'est pas fini. Hein. Il y en a un au fond aussi. Voilà, celui-là. 69 centimes. Bon, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire un petit tour dans les brosses. Vous montrer un peu les brosses à laver. On a celle-ci à poignée, 99 centimes. Et aussi, on a celle-ci à 99 centimes également. Je ne vous avais pas montré aussi cette pelle avec la petite brosse en bambou. Je vous avais dit, hein, le bambou, il est vraiment partout. Donc 2,69 l'ensemble. Donc il y a du vert. Donc la petite balayette, elle est vraiment sympa. Donc, la petite corde. Et il y a grillé aussi. Les petites échelles de décoration, 3,99€. Donc on a du gris. Et on l'a aussi en blanc. Enfin, ou bois nature.
Je voulais vous montrer aussi le nettoyant tapis, le spray, à 1,39€. Alors, je vous montre ça tout simplement parce que j'étais en train de penser au tapis. J'ai acheté un tapis, vous savez, dans la semaine d'action, en gris avec des petits losanges. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, vous avez peut-être aussi acheté des tapis et vous cherchez peut-être comment les nettoyer avec, ou un produit pour les nettoyer. Eh bien, il y a celui-là, 1,39€. Alors, vous voyez, des fois, je tourne, je passe devant des nouveautés, je ne les vois même pas. C'est en l'ayant vu dans un autre rayon, quelqu'un a dû la déposer. Je suis revenue du coup dans le rayon déco. C'est un petit panier en fil, petite table d'appoint, avec hop, le couvercle. Donc on peut mettre éventuellement, je vois bien, pourquoi pas à l'intérieur, une petite plante artificielle. Surtout qu'en ce moment, ils en ont de très très jolies. Je ne parle pas de dessus comme sur la photo, mais bien à l'intérieur. Elles sont à 2,95€ et elles existent aussi en noir. Donc n'oubliez pas de prendre le plateau qui va dessus. Voilà. On trouve aussi quelques touffes, donc noires, roses et taupes à 9,95€. Avec les trois pieds en bois noir. Alors, je vous montre encore pour une énième fois le coffre, mais c'est parce que là il est monté, donc comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Bon, donc ils ont mis les papiers, hop, et avec les quatre pieds. En fait, c'est ceux qui sont présentés comme ça à 19,95€. Et je suis contente parce que de nouveautés aujourd'hui avec ces pinceaux. 7 pinceaux Creative Artist, donc thème licorne, 1,99€. Ils existent aussi avec les poils en gris. Alors, si vous aimez justement le thème licorne, il y a ceux-là. Il y a 3 pinceaux. D'ailleurs, ma fille les a. Et donc, ils sont très bien parce que les poils ils partent pas. Les poils ils sont très résistants et c'est de la très bonne qualité, je vous conseille. Donc 4,54€, donc 3 pièces, blush et ombre à paupières. Dis-nous à quoi ça sert. Alors ça c'est pour le blush ou pour la poudre. Moi j'utilise plus pour le blush, celui-là pour les ombres à paupières et celui-là pour l'highlighter. Pour l'highlighter, donc voilà. Puis en plus ils sont vraiment très jolis, 4,75€. Tiens, le retour de ces gels mains antibactériens. Donc dans une petite sacoche comme ça en silicone, c'est 1,29€. Il y a la licorne, il y a le cactus, il y a l'ananas, il y a le petit palmier et le toucan. Donc nous, on en avait des comme ça, surtout avant cette histoire de virus. On en mettait quand on allait dans les parcs de loisirs, etc. Disneyland, quand on faisait les jeux, on en mettait avant et après, même avec, je vous dis, même sans cette histoire de virus. Et moi, j'en avais toujours un à portée de main. Voilà, 1,29€. Alors moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est ceux-là. Je vous ai dit, j'ai acheté les 4. En ce moment, j'utilise celui à la menthe. J'aime bien parce qu'ils sentent bon. Parce que c'est vrai, comme je vous dis, des fois, il y a certaines enseignes avant d'entrer. Donc moi, je me mets du gel avant d'entrer et quand je sors. Et franchement, il y en a, waouh, quoi, ils sont trop forts. Enfin, ils sentent pas bon. Donc bien sûr, c'est pas le plus important de sentir bon ou pas, vous allez me dire. Mais si, parce que franchement, des fois, il y en a, ils vous agressent directement aux narines. Donc ce que j'ai fait, donc je préfère, voilà, j'ai mon petit flacon. Donc j'en mets devant le vigile parfois parce qu'il vous oblige un petit peu à en mettre. Donc j'en mets devant lui et au moins, voilà, j'ai pas les mains agressées par une odeur trop forte. Des fois aussi, franchement, le gel il est un peu bizarre, il est un peu trop liquide ou collant. Donc je préfère avoir le mien. Donc j'ai acheté les 4. Et franchement, là, il manque celui à la menthe. J'ai trouvé, il est derrière. Donc c'est menthe, mais il est vraiment léger, il est frais. Et voilà, donc c'est 99 centimes le flacon. Et j'ai oublié de montrer celui-là. Donc ma fille me harcèle depuis tout à l'heure pour que je vous montre le petit flamant rose. C'est vrai qu'il est mignon à 99 centimes. Une nouveauté avec ce savon pour les mains antibactériens, 2,79€, donc 750 ml. Alors le gel, moi j'utilise quand je suis à l'extérieur, bien sûr. Et bien évidemment, à la maison, c'est du gel pour les mains ou une savonnette. Les derniers gels douche. Alors je me suis pris mangue et noix de coco. Je ne les ai pas encore testés. Ils sont à 1,84€. Donc c'est des gels douche 100% naturels. Après, à voir. Tiens, une petite nouveauté dans les livres avec ces livres pour apprendre. Je compte pas à pas jusqu'à 100. 1,99€ le livre.
c'est une petite histoire pour apprendre ces chiffres. Il y a donc je compte jusqu'à 100, je compte jusqu'à 50 et j'ai vu le rose, je compte jusqu'à 100. Donc voilà, jusqu'à 100 et jusqu'à 50. Les tucs classiques, donc il y a 3 sachets, donc c'est 3 sachets individuels hein, à 99 centimes. Après, il y a des paquets comme ça individuels à 69 centimes. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il y a une différence de goût ou pas. Ou c'est juste l'emballage. Et on a aussi paprika. Puis on termine par la sauce magie. On ne terminera pas par du chocolat aujourd'hui. 99 centimes. Alors vous êtes beaucoup, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pour les petits cubes, cubes d'arômes. Alors en fait, c'est vrai que moi, je les ai trouvés que dans 2 actions seulement. Il me semble que c'est un dans le 78. Je ne me souviens plus du nom de la ville. Et alors je ne sais plus si c'est ici que je les ai vus ou à Action de Hoche. Je ne me souviens pas, mais c'est vrai que c'est un produit que je ne trouve pas dans tous les Actions. Alors est-ce qu'ils les mettent en rayon et tout part d'un coup? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai, je ne les trouve pas dans tous les Actions. Si on va terminer quand même sur du sucré, surtout que hier je vous ai montré des Mars. Et là cette semaine, les 10 Snickers ou les 10 Twix sont à 2,79 au lieu de 2,99. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a pas mal de nouveautés. Le miroir, le plateau, la petite table d'appoint, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.